Bienvenue dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter déjà mon nouveau appartement, là où je vis ici à Abidjan, pour entamer une autre vie entrepreneuriale, bien sûr, parce que je vais un peu durer ici en Côte d'Ivoire, bien dans le cadre de nos activités, nos tournées internationales, le 25 février 2023, comme vous le savez, c'est à l'hôtel Bellecote pour partager des pépites, des stratégies qui peuvent permettre à quelqu'un de décoller, de créer un business à travers Internet et gagner de l'argent, surtout les crypto-monnaies. Voilà. Donc, mais bon, bref, je vais vous présenter donc cette cadre. Hein, vous allez me donner votre point de vue, n'hésitez pas à donner vos appréciations sur cet appartement là où je vis. Voilà, et là, une fois entré, là on a le salon. Moi j'aime bien le cadre. Voilà, ici je peux venir ici travailler tranquillement. J'ai déjà installé mon ordinateur. Il y a une grande télévision. Bien vrai que moi je n'utilise pas la télé. Bon, à chaque fois que je voyage, il y a une télévision. Mais souvent, je peux venir passer tout mon séjour, que ce soit 15 jours au mois, sans allumer la télé. Je suis là depuis hier, je n'ai pas encore allumé la télé. Donc, voici le salon. Hein. Vous me donnez votre point de vue, votre appréciation donc, sur cet appartement. Donc, on a le salon ici, voilà. J'ai bien installé. Je suis avec mon petit frère Babacar qui gère les USDT et tout ça. Il a son ordinateur, tu as vu les cryptos et tout. Là, c'est mon ordi et tout. Mais là, ici à côté, on a nos tables à manger qu'on a transformées en bureau. Ce n'est plus une table à manger. Nous, on ne l'utilise pas pour table à manger. On l'utilise pour travailler. Donc là, on est bien installé et tout ça. J'ai mes deux livres que je suis en train de lire. Ça, c'est le livre de Ricardo Kanyama que j'ai commencé à relire. J'ai déjà lu le livre, mais je me suis dit que je vais relire le livre parce que c'est hyper important. Ici, on est bien installé. Voilà, là, j'ai mes livres. Là, les clés du succès en entrepreneuriat pour toutes les personnes qui me disent « Ah, c'est comment faire pour avoir les livres à Abidjan ?» T'inquiète pas, c'est disponible. Là, l'art du trading des crypto-monnaies, là, tous ces livres sont disponibles le 25, mais vous pouvez passer aussi pour vous procurer de ces livres si ça vous intéresse. Le livre que j'ai fait l'honneur à mes amis de la Côte d'Ivoire, « La cause de l'échec de la jeunesse africaine ». Ce livre n'est pas encore disponible nulle part, à part la Côte d'Ivoire, même au Sénégal, là. Les gens qui ont besoin de livres, on leur dit « Il faut attendre le mois de mars ». Mais à Abidjan, on a développé des thématiques qui vont faire parler beaucoup de personnes. Ça, on le sait déjà. J'ai fait une interview avec Mamadou Moustapha, mon ami, qui me dit que c'est que ce livre va faire beaucoup de polémiques parce que j'ai un peu, je dirais pas attaqué, mais j'ai donné en tout cas mon point de vue sur le système éducatif francophone, sur les fêtes, la religion, sur beaucoup de choses. Sur ce livre-là, il est disponible. Là, j'étais en train de travailler aussi sur les inscriptions. Là où je vous parle, on a presque 350 personnes qui sont déjà inscrites pour la conférence du 25. Et malheureusement, la salle, je pense que ça prend 300 personnes. Mais on est en train de voir comment faire pour trouver une solution. Si vous regardez là, on a les personnes qui sont inscrites. Voilà, les pages. Voilà, toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, vous tous aussi, vous pouvez passer pour récupérer. On a imprimé les nombres de personnes qui sont inscrites. Donc, vous pouvez passer pour récupérer aussi les tickets d'inscription. Les tickets d'entrée sont disponibles. Les gens commencent à venir pour récupérer leurs tickets. Voilà, ça, c'est les tickets de la conférence. C'est gratuit, mais comme on aime bien le dire, la réservation, elle est obligatoire. Là, les tickets sont disponibles. Vous pouvez venir prendre. Donc, voilà, on a aussi les trucs comme ça. C'est cool. Ah, c'est Babacar qui est en train de lire ce beau livre-là. Vous voyez, le livre, ça fait peur, hein? L'influence et manipulation. Donc, c'est Babacar qui est en train de finir ce livre-là. Donc, ça, c'est un petit bureau, hein, table à manger. Dis-moi, est-ce que vous êtes d'accord que la façon dont on a transformé cette table à manger en bureau? Ici, on a la cuisine. Bon, ça ne vous intéresse pas trop. On a congélateur, cuisinière. On a tout ce qu'il nous faut ici pour vivre correctement ici. On a tout ce qu'il nous faut. On vient de remplir comment il s'appelle, le congélateur, de l'eau, du jus, des trucs comme ça. Donc voilà, on est chez nous. Donc on a aussi notre espace. Là aussi, j'adore ce balcon-là. Ça me permet de réfléchir à chaque fois que j'ai envie vraiment la nuit de travailler tranquillement, réfléchir et tout ça. Et où j'ai des invités avec qui je veux parler d'affaires et tout ça. On se met là. Et on met le projet, sur quoi on discute, etc. Il y a l'air pur. Hein. Je vois Abidjan comme ça en miniature là où je suis. Parce que moi, je suis au quatrième étage. Je suis au quatrième étage. Donc ici, je peux voir tout. Hein. Voilà. Donc j'adore cet espace aussi, ce balcon. De temps en temps, je viens faire comme ça, bien regarder Abidjan. Hein. Voilà, j'adore. Donc et la décoration aussi, ces couleurs vertes là, j'aime bien. J'aime bien. Donc, à part ça, on a aussi
notre bon, chambre. C'est très bien en tout cas. Dis-moi en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez dans cet appartement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on a aussi... J'adore, voilà. La douche est là. C'est propre. Ce qui me plaît même vraiment le plus sur cet appartement, c'est ça. On a rangé nos toilettes ici. On a bien installé et tout ça. C'est propre. C'est propre. La douche et tout ça. Donc, vous pouvez visiter, regarder bien. Et vous me donnez votre point de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, bienvenue, entrez, bienvenue ici, bienvenue dans la chambre. Voilà, c'est propre ici, on est là. Donc, c'est ici que je suis installé. On a nos trucs comme ça pour mettre nos trucs. Voilà, on a aussi, j'ai la possibilité d'ouvrir cette fenêtre pour bien avoir plus d'air aussi, de l'air pur et tout ça. C'est hyper, hyper important. Donc, voilà cet appartement. Hein. Combien je paye ici, je ne vais pas vous le dire. Voilà, en tout cas, c'est pas trop cher. Moi, ce que j'aime bien ici à Abidjan, c'est que la vie n'est pas trop chère. À part l'immobilier, bien sûr, ici, on tourne autour de moins de 1 million par mois. On paye environ 1 million par mois pour occuper cet appartement. Et on n'a rien fait, on n'a pas... C'est un appartement meublé, donc... Tu es plus à l'aise. Moi, depuis que j'ai compris l'importance des appartements immobiliers, je n'utilise plus les hôtels. Parce qu'en hôtel, je pouvais payer la même chose. Certains hôtels, on te permet de payer la nuitée 27 000, 30 000. La nuitée et tu as la petite déjeuner, etc. Mais tu n'as que ta chambre, tu vois. Et tu n'as pas... tu n'es pas à l'aise comme César de Truc. C'est comme chez moi. Hein? Quand tu viens ici, même le propriétaire, s'il vient ici pour me créer des problèmes, je lui dis, va-t'en, sortez, c'est chez moi. Donc, c'est pourquoi moi, j'aime bien, je préfère les appartements meublés. Donnez-moi votre point de vue sur cet appartement que je viens de vous présenter. Et demain ou après-demain maintenant, on va attaquer le travail là. Voilà, ici, voilà, l'objectif, c'était juste pour vous montrer là où je vis ici à Abidjan. Je suis bien installé. Merci beaucoup, je vois les messages, les encouragements et tout ça. Merci. Le travail va commencer à partir de demain. On aura l'occasion de faire beaucoup de vidéos, des lives, de discuter. Et je vous invite, pour ceux qui sont à Abidjan, je dois... inaugurer notre restaurant aussi. On vient de se lancer. Depuis un bon moment, je travaille sur le projet. Maintenant, on a concrétisé, on a tout mis en place. Samedi prochain, on va faire l'inauguration de notre restaurant à la Dou. Voilà, à la Dou. À la Dou, les gens qui sont à Abidjan vont connaître. Donc, c'est là-bas qu'on va ouvrir notre restaurant. Et l'objectif est prier pour que ça devienne une franchise. L'objectif, c'est de mettre des points de restaurant partout à Abidjan. Donc, vraiment, c'est ça le but. Et toutes les personnes qui vont venir aussi le 25, que vous aurez l'occasion. Et ce qui me plaît maintenant, même le plus sur l'événement du 25 février, c'est qu'il y a beaucoup de grands leaders, des personnes qui peuvent changer votre vie en un seul claquement de doigts comme ça. C'est-à-dire que si tu as des problèmes d'argent, si tu as problème de faire un business, parce que tu connais pas des personnes qui peuvent régler ton problème. Donc, ceux qui n'ont pas encore réservé leur place, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur la barre de description, il y a un lien conférence Abidjan. Ceux qui sont déjà réservés, passez vite, récupérez vos tickets, voilà. Passez, récupérez vos tickets. Appelez déjà sur les numéros qui défilent en bas parce qu'aujourd'hui, on a les numéros, on a des numéros en Côte d'Ivoire et tout ça. Vous pouvez nous appeler, passez, récupérez les tickets. On est ici à Angré 8e Trans, donc c'est pas loin. La conférence, c'est l'hôtel Bellecote pour ceux qui n'ont pas encore reçu les informations. Voilà, on a changé, ce n'est plus l'hôtel Palme Club à cause de quelques détails logistiques voilà, qui nous ont poussé à changer. Maintenant, voilà, les tickets sont disponibles. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires par rapport à cet appartement. Est-ce que vous appréciez? Est-ce qu'on pouvait avoir mieux? Etc, etc. Voilà la vidéo que je voulais partager avec vous. Donnez-moi vos points de vue. Partagez, comme disait, comme si à Abidjan, je fais comme moi, notre oncle, Général Makoso. Partagez, mettez les cœurs. On est à Abidjan, mettez les cœurs, les amis. Ton téléphone, merci beaucoup. Donc, d'ici demain, on commence les choses sérieuses. Pour une petite présentation. Merci, à la prochaine. Ciao. Là, tu vas.